Excellence, hautement sécuritaire. Oui, nous venons de participer à l'ouverture d'une grande réunion qui réunit tous les directeurs généraux des services de renseignement et de sécurité de la région des Grands Lacs, notamment la CIRGL. Et cette réunion a été décidée, comme vous avez allé suivre, en novembre 2016, à la suite de tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Et ça a été renforcé par les dernières actualités que vous connaissez, notamment les mouvements qui se sont observés dans ces pays de la région des Grands Lacs, pour que le centre de fusion de renseignement, qui est déjà opérationnel à Goma, prenne en charge cette question. Parce que le centre de fusion de renseignement a à son sein tous les responsables des pays membres de la CIRGL pour traiter des renseignements qui proviennent de l'ensemble de ces pays-là. Et donc nous sommes heureux que l'Angola, qui préside à la CIRGL, ait choisi la ville de Goma pour que sur le terrain des opérations, on vienne parler et discuter des grandes questions et peut-être à l'issue de cette réunion sortir des recommandations qui vont être exécutées par les services de tous les pays qui sont concernés par la sécurité dans cette région des Grands Lacs. Donc à cet instant, nous ne pouvons que nous réjouir de la tenue de cette réunion à Goma et nous espérons que les conclusions de cette réunion vont permettre d'asseoir la stabilité dans cette région des Grands Lacs pour que jamais nous ne puissions nous rentrer dedans comme par le passé. Qu'est-ce que vous attendez personnellement de cette réunion ? La première chose que j'attends, c'est qu'il y ait d'abord une prise de conscience du danger qui guette la région des Grands Lacs par rapport au foisonnement de tous ces mouvements insurrectionnels, par rapport à la possibilité d'agression, parce que comme vous avez à le suivre, il y a deux possibilités qui s'observent si rien n'est fait, c'est notamment une possibilité d'agression ou une possibilité d'insurrection. Et donc ce centre de fusion de renseignement et cette réunion au sommet de tous les patrons de renseignement dans la région des Grands Lacs, cette réunion va essayer un peu de passer en revue toutes ces questions-là pour qu'au niveau des populations, nous puissions abaisser davantage la tension et que ce service de renseignement rende compte aux chefs d'État pour qu'à leur tour, ils puissent aider à taire les velléités d'insurrection ou d'agression qui peuvent surgir ça et là. Voilà pourquoi je me dis que nous pouvons nous réjouir, nous, au nord qui vous, de cette grande réunion. Kazi ya usalama wa nchi ya kanda la maziwa makuu ya hapa kwetu na kando kando, wanakusanyika Goma kwa kuweza kuangalia shida ambazo zinatukumba, hasa shida za hapa karibuni, wakati mliposikia ya kwamba kuna watu kutoka Uganda ambao wamenaswa, ambao na wengine wamejipenyeza katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo ingine ya FDLR, ya LRA, ya ADF, ile yote najumulisha wakuu viongozi wa ujasusi wa nchi karibu 12, ili waangalie ni nini nchi zile 12 naweza zikafanya kwa ajili ya kuleta usalama hapa na kumaliza wasiwasi ndani ya watu. Unajua kama vita vinaanza, lazima watu wanakuwa ndani ya wasiwasi. Lakini mkutano kama huu, shabaha yake ni kwa kuweza kuangalia zile shida vipi zitatatuliwa na ili wasiwasi iweze kumalizika ndani ya watu, wafanye kazi yao bila tatizo. Ndiyo maana mimi kama gavana wa jimbo hili la Kivu ya Kaskazini, ninakuwa na furaha kubwa sana ili nchi ya Angola imeweza kuitisha mkutano huu ufanyike hapa kando kando ya uwanja wa mapambano, ili shida zile ziweze kutatuliwa haraka iwezekanavyo na wananchi wafanye kazi yao kama kawaida. Asante sana. Asante.